fondatrice et créatrice d'Equitalliance. C'est une approche de comportementalisme équin qui est basée sur toutes les notions d'énergétique, d'aller déprogrammer les stress profonds du cheval et du cavalier avec le renforcement positif en entraînant en conditionnement opérant et en renforcement positif, donc par le clicker training en partie. C'est une méthode qui est innovante, que j'ai créée depuis 2004. Moi, je suis comportementaliste, en fait. Et j'ai expérimenté depuis bientôt 20 ans. Et j'ai croisé après toutes mes connaissances pour créer la méthode. Moi, mon projet professionnel, ce serait de devenir thérapeute auprès autant des humains que des animaux, et précisément du cheval. Donc j'ai trouvé dans cette formation vraiment le côté que je cherchais, qui est énergétique, et l'approche du cheval dans la douceur, avec tout ce qui est renforcement positif et des techniques qui sont assez douces et qui me parlent beaucoup plus que dans certains milieux qui sont un peu plus durs, disons, et qui ne me correspondent pas forcément. Dans la méthode Reseguy, on parle du nœud empathique, qu'on va se mettre vraiment en lien avec la personne, en empathie avec la personne. J'ai fait plusieurs formations un peu dans l'énergétique. J'ai fait une petite initiation au magnétisme, à la communication animale et à la biokinésiologie. Et du coup, là, j'attaque Equitalliance. C'est ma première semaine, donc... On va aller apprendre aux élèves à se nettoyer quelque part intérieurement, à aller se poser, s'intérioriser et effectuer un accompagnement énergétique qui va leur permettre d'aller se connecter à la personne, d'aller sentir qu'est-ce qu'elle ressent. C'est une approche que moi particulièrement je ne connais pas du tout. Je sens qu'il se passe quelque chose, je ressens des choses, mais je ne sais pas quoi en faire encore pour l'instant. Et j'étais pas totalement fermée, mais j'avais déjà essayé un stage de communication animale, par exemple. Et j'étais un petit peu déçue. Et là, on a commencé déjà l'accompagnement énergétique entre humains. Bah, j'arrive à mourir à ça maintenant, donc voilà. Attention à pas faire trop, d'accord? On n'est pas, on va pas materner les gens. On est là encore une fois. Vous vous rappelez, on l'a dit, pour nous être bien positionnés, pour pouvoir mettre en fonction et en action le système énergétique de l'autre. Et on va passer par le corps physique pour aller déprogrammer, défusionner, c'est en fait, on est dans la mémoire cellulaire, les engrammations qu'il y a eu par rapport à des soucis qu'il peut y avoir eu dans l'enfance ou dans les lignées, on va les toucher aussi aux lignées familiales, etc. Et on va déprogrammer ça. Très simplement en passant par le corps physique, faire parler la personne et en même temps accompagnement énergétique. Pour moi, ça a été très très dur parce que j'ai vécu des choses, de grosses choses dans ma vie qui m'ont vraiment atteinte et qui se répercutent encore maintenant dans mes relations aux autres. Donc on a fait une méditation guidée qui a été très très dure, très émotionnelle pour moi. Mais j'ai réussi à remplacer ça par quelque chose de positif, donc c'était dur, mais c'est quelque chose qui m'a fait du bien, qui m'a libérée, qui m'a apaisée. Donc voilà, maintenant j'attends la suite avec impatience.